Yo, Shatsang Family, aujourd'hui on est lundi et tout d'abord je voudrais vous remercier pour tous vos messages pour mon anniversaire, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Je sais que ce n'est plus la vidéo FAQ, mais je voulais encore répondre à une question. C'était une question qui revenait assez souvent aussi. C'était avec quel YouTubeur voudrais-tu travailler? Quel autre YouTubeur? Si c'est possible un jour, c'est un rêve, je pense, mais faire une vidéo avec Christian Guzman, le vlogueur aux États-Unis, celui qui m'a inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui. Sinon, en France, j'aimerais vraiment bien rencontrer un peu tous les YouTubeurs, mais principalement, je pense, le rire jaune. Ce serait pas mal, non, une vidéo entre jaunes comme ça, là? Enfin, soit, là, je viens d'arriver à la salle pour une séance de pec triceps. C'est parti. Yo la Sign Family, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un abonné, un powerlifter, Max. Et voilà, je vous présente mon nouveau coach de powerlifting. C'est ça qu'on veut savoir, tu bêtes à combien, pour Max? Normalement 180 à 200, mais là je vais monter quoi. Donc, 200 les gars, 200. Moi j'arrive même pas à atteindre les 100, lui il fait 200, tranquille. Donc les gars, Max il fait de la compète. Et en fait, la fois passée, il avait pitié de moi, il a vu que j'arrivais pas à faire les 100 kilos. Il s'est dit, je vais aider le petit Viet pour dépasser les 100 kilos. En même temps, on est très bientôt. Il découvre la bouffe asiatique là. La bouffe Viet. C'est quoi ça? C'est la sauce. C'est sauce à quoi? Sauce barbecue Viet. Ouais? Ouais, moi j'appelle ça comme ça. Là je suis chez ma copine et regardez ce qu'il regarde. Le frère de ma copine. Faites de même s'il vous plaît. Bon les gars, ce soir j'ai mangé vietnamien, et oui, une fois de plus vietnamien. Souvent les gens me demandent, est-ce que tu peux manger tous les jours vietnamien? Moi je réponds ouais, tous les jours, je pourrais manger tous les jours vietnamien, j'adore la bouffe viet. Et aujourd'hui on a mangé un plat typique de chez nous, ça s'appelle le pho. Ça s'écrit P-H-O, ça ne se prononce pas po ni pho, pho. Donc aux personnes qui ne connaissent pas le pho, si un jour vous mangez vietnamien, commandez un pho. Là je viens de voir sur YouTube quelques commentaires où les personnes disent qu'ils ont été désabonnés, comme ça, par magie, à cause de YouTube. Et ça, je n'accepte pas YouTube. Je sais pas ce que vous faites aux abonnés à la Sign Family, mais s'il vous plaît YouTube, ne fous pas la merde avec la Sign Family, ça va? J'adore les fêtes de Noël et tout ça, mais putain, faire les courses de Noël, c'est horrible! C'est chiant! Je sais jamais quoi acheter, pour qui,
Regardez, vous reconnaissez la personne, vous connaissez la personne. Les gars, on cherche une poupée pour ma cousine. Une poupée blanche, une poupée noire. Mais on cherche la poupée asiatique, bordel. Elle est où? On l'a trouvée. Regarde son œil, comment il part en couille. Bon, pour éviter le débat sur la prononciation du tweak, du couic, je suis allé au McDonald's. Là, il n'y a pas de débat à propos de la prononciation. Tout le monde prononce de la même manière McDonald's. McDo, McDonald's. Un peu d'énergie après cette journée de shopping. Franchement, le shopping, les gars, c'est du cardio. C'est du cardio. Surtout avec les filles. Ok, drop set, 16 kilos, on passe à 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, la Saint Family, cette semaine c'est Noël, la semaine prochaine c'est Nouvel An, et qui dit fête dit de la bonne bouffe, et qui dit de la bonne bouffe dit manger comme un porc. Donc mon conseil les gars, si vous ne voulez pas trop culpabiliser par rapport à la nourriture, allez au sport, faites du sport, transpirez, bougez, à ce moment là vous pourrez bien manger, bien fêter comme il se doit. Bon, sur ce, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine, la scène famille.